Sur la mythique vague de Parlementia, une légende vivante, un géant de la glisse, dompteur des plus grosses vagues de la planète, Jaws à Hawaï, Tupo à Tahiti. L'air d'Hamilton est venu au Pays Basque parrainer la plus ancienne compétition européenne de surf, la Maider à Rostegui. Effervescence à l'aéroport de Biarritz. Arrivée de la famille Hamilton en provenance d'Hawaï. Un événement orchestré par Robert Rabani, l'organisateur de la compétition. C'est un très grand moment et on est fiers de le recevoir à Biarritz, capitale européenne du surf, un précurseur et le plus grand waterman. Thank you, I appreciate it. L'air d'Hamilton a déjà séjourné une dizaine de fois au Pays Basque, mais plutôt en solo. J'ai l'habitude de venir depuis plusieurs années, mais là, il y a mes deux filles. Alors je dois être plus responsable. Fini la liberté d'aller n'importe où, n'importe quand. Première obligation, mais avec le sourire, rencontrer ses fans sur la grande plage de Biarritz pour la 33e édition de la Maider à Rostegui. L'air d'Hamilton, il est convoité par beaucoup de monde, c'est un grand champion, mais il a des liens étroits avec Biarritz. N'oublions pas que le Biarritz Surf Festival avait invité Bill Hamilton, son père, donc il y a des grandes légendes qui sont passées. Deuxième étape, se jeter à l'eau. L'air d'Hamilton a relancé le stand-up paddle, cette planche qui permet de ramer debout. Alors quand il surfe, c'est tout l'esprit d'Hawaï qui souffle sur la côte basque. La première fois que je suis venu, j'ai ressenti l'énergie de ce pays. Les montagnes et l'océan réunis. On a le sentiment d'être sur une île, avec une température bien sûr différente, de longues côtes et surtout du super surf. Entre une session glisse et une séance photo pour un magazine de mode, l'air d'Hamilton retrouve de très vieux amis au Pays Basque. Come to see you, bro. Oh, that's great. How are you? Nice to see you. Long time. Yeah. Michel Laronde a longtemps vécu à Hawaï où son restaurant était une institution. Surfeur de grosses vagues comme celle de Jaws, il a beaucoup appris de l'air. On a été à Jaws avec une planche que j'avais fabriquée. Donc, j'avais jamais fabriqué une planche pour aller surfer d'aussi grosses vagues. D'aller la surfer sans savoir ce que je surfais, sans jamais avoir fait de surf tracté. On a fait quelques erreurs, il nous a recadré. Je suis content qu'il soit dans mon pays ici parce qu'il adore. Autre ami de longue date, le photographe Sylvain Cazenave. Dans sa galerie de Biarritz, il expose des clichés impressionnants de l'Erd. À Hawaï, Sylvain a été le témoin historique des premières vagues XXL surfées par le dieu Hamilton. On arrive à fond sur le spot, et celui-ci, il est malin, je le connais, il nous a entendu arriver, il prend la vague, il se met comme ça. Lui, il a l'hélicoptère, il tourne, et on lui arrive droit devant, dans la photo, et le pilote, il est comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Je lui dis, c'est l'air, tu vois l'Américain? C'est lui. J'ai eu peur souvent, et c'est important d'avoir peur. Ces photos me rappellent combien de vies j'ai eues. Quand je les regarde, je me souviens que tous ces jours, toutes ces vagues, tous ces super moments sont réels. Véritable homme-poisson, l'air d'Hamilton s'entraîne beaucoup pour pouvoir affronter des vagues de 10 mètres. Chaque prouesse sportive est minutieusement préparée. Les jours où il y a de grosses vagues sont très limités et peu nombreux. Alors tu dois te préparer toute l'année pour cette heure-là, cette minute-là, pour être en sécurité. Ta préparation, c'est un style de vie. C'est la façon dont tu manges, tu dors, les relations que tu as avec ta famille. Être avec Laird depuis toutes ces années, le regarder se préparer avec sérieux,
et comment il aborde le danger m'a appris à être plus relax. Il ne se précipite pas. Sa préparation est très méthodique. L'air d'Hamilton est aussi un novateur. Sur la vague de Parlementia à Bidart, il s'envole avec sa foilboard, une planche de surf qu'il a équipée d'un aileron, lui permettant littéralement de voler sur l'eau. On est tous là, comme des pecs, à le regarder faire ce sport, parce que le foil surfing est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, par l'air d'Hamilton, qui est le promoteur et quelque part l'inventeur de ça, c'est incroyable, tout se combine, quoi. Ce type a des branchies quelque part. Chaque discipline lui permet d'aller au bout, mais au bout, au bout. En plus, il les fait absolument toutes avec une facilité incroyable et il profite de l'océan. Alors, c'était comment cette session, Laird ? Fun, yeah. Enjoyable, yeah, really nice. I like that. J'aime avoir une idée, imaginer comment je pourrais la concrétiser et voir d'autres la mettre en pratique. Alors là, waouh, je me dis que je ne suis pas totalement fou. En 2006, Laird Hamilton avait importé le paddle sur les vagues basques. Cette fois, c'est avec le foil qu'il bluffe les surfeurs et laisse une empreinte de plus ici. Je me sens chez moi au Pays Basque. Je viens ici, je suis connecté aux habitants, à la terre, à la nourriture, à la nature. Parmi tous les endroits du monde, c'est ici que je me verrais bien avoir une maison. En 1969, le père de Laird surfait déjà à Anglet. Les Hamilton, deux colosses de la glisse, entraient dans la légende du surf au Pays Basque.